Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online sur Next Gen pour vous montrer que je suis en train de me battre contre personne et que le soleil est franchement magnifique, que la vue est magnifique, que mon personnage est juste plus que sexy. Enfin bref, on s'en fout. Aujourd'hui je vais vous parler d'une information qui va beaucoup vous plaire étant donné que je vois que vous êtes nombreux à kiffer les voitures, surtout sur GTA 5. Donc un nouveau screen est paru indiquant que plusieurs nouvelles voitures feront leur apparition dans un futur DLC. Donc on savait déjà que Rockstar nous a montré pas mal, une seule image hier nous montrant une voiture, ça me paraît être une sportive classique. Donc on va tout de suite voir le screen qui a été trouvé. Donc il y aura une nouvelle voiture qui s'appellera le Dictator. Alors personnellement quand j'entends Dictator, ça me fait vraiment penser à une voiture assez balèze, comme je l'avais dit juste avant dans une ancienne vidéo où je disais qu'un certain véhicule était assez balèze, etc. Nous aurons une nouvelle super sportive qui se nommera la Météorite. Alors pour le moment aucune indication sur chacun des véhicules. Je vais essayer de mener un peu ma petite enquête pour voir si on pouvait les trouver sur les anciens GTA. La sportive classique qui s'appellera la Prestige, c'est sûrement la voiture qu'on a pu voir et que Rockstar nous a montré hier avec le Desert Eagle customisé style vintage qui est vraiment super beau. Nous aurons la Muscle Car qui s'appellera la Vaudou 1. Alors nous avons déjà la Vaudou sur GTA. Alors la Vaudou 1, est-ce une nouvelle Vaudou ou une amélioration de la Vaudou? Peut-être, on verra bien par la suite. Et il y aura une nouvelle coupée qui se nommera la Welera. Encore une nouvelle fois, des noms mais pas d'image en tête. Ça me rappelle vraiment rien. Aucune voiture ne se nommait comme ça sur les anciens GTA. Peut-être que je me trompe. Donc voilà pour les informations sur les véhicules. Vous dans l'espace commentaire, vous nous dites tout ce que vous pensez de cela, à votre avis, à quel véhicule ça va correspondre, etc. Moi je vais mener ma petite enquête pour essayer de trouver un peu tous ces véhicules et je vous en ferai part dans des vidéos très différentes où je détaillerai un peu tous les véhicules. Pour la sportive classique, on sait déjà que ce sera une Mercedes S300 il me semble. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher tous vos avis dans l'espace commentaire, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao bye bye tout le monde.